Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 10 de Crash Bash. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons au résumé d'effectuer la suite de zones temporelles niveau 3 et que nous avons effectué avec succès les autres niveaux et que j'ai continué en solo sans enregistrement. Le dernier niveau qui est N-Ball-Limbs et que nous avons et que j'ai effectué avec succès la partie pour atteindre le dernier trophée, pour obtenir le dernier trophée, je veux dire. Et maintenant que c'est fait, je vais continuer la partie suivante dans le spatio-temporel et que je dois faire ici Big Bad Fox et que j'ai obtenu tous les trophées. Je continue d'avancer et on va faire ce boss-là. J'ai l'impression que ce tournoi cache quelque chose de louche. Garde précieusement tes cristaux. Avant de continuer, tu ferais mieux d'aller te perfectionner dans le tank. Alors, dans Big Bad Fox, je dois détruire la construction ennemie, puis bat les Commando Joe, Mod, Mo et Commando Joe, les deux 3, frères Commando. 2, 1, partez! Et nous avons comme arme la bombe en fait. Il faut détruire. Comment? Les canons de boules de fléau. Et maintenant, deuxième pilier. Les antennes laser. Il faut les détruire toutes. Voilà. Il ne reste plus que le premier. Des lanceurs de missiles. Oh zut. 3, On recommence. 2, 1, partez. Aouh. Aïe, décidément. C'est bon. Ouch. Boum! Non! Il faut que je ramasse des pommes pour me ravitailler. Non! Allez, il faut y arriver. Trois.
Premier lanceur de missile détruit. Aouh, ça fait de gros dégâts. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à combattre les deux frères. Et on change d'arme. Les lanceurs de missiles sont en place. Oh non. 3, 2, 1, partez. Malgré cela, on ne peut pas revenir au point de départ de leur géniale invention en fait. On peut continuer à tirer, on peut continuer à battre les deux frères Komodo pour pouvoir battre les ennemis. Pour pouvoir les battre, pardon. Aïe! Tu perds. Dommage. 3, on 2, recommence. 1, partez. Non, j'étais presque. C'est pas grave, on recommence. 3, 2, 1, partez. Et voilà, les deux frères Komodo sont vaincus. Une bonne chose de faite. Maintenant que c'est fait, je vais passer maintenant au spatio-temporel niveau 4. Bon, c'est parti. Nous voici maintenant dans le spatio-temporel niveau 4. Il y a maintenant deux niveaux supplémentaires et le niveau boss qui s'agit de Oxidride. Et qu'ici il faut 22 trophées, 15 gemmes et 12 cristaux. Et là pour le moment j'en ai 12 de cristaux et 10 gemmes. Et là vous voyez tout à droite c'est maintenant les niveaux reliques. Les reliques or et que je vous ferai un essai ou deux pour... vous montrer l'exemple et que je ne pourrai même pas les avoir toutes parce que il y a un bug que je ne pourrai même pas obtenir tous les niveaux bonus que je vous expliquerai après ce niveau là d'Oxidride. On va continuer le niveau et il y a un des niveaux qui est de mon favori, Toxic Dash. Comme Dash, j'aime beaucoup plus Toxic Dash, mais on le fera après. Ringding, c'est parti. Dans ce mini-jeu Ringding, il suffit de sauter pour attraper les ballons de couleur. Comme les pogo, en fait. Les trucs de couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Objectif, éclater tes ballons pour marquer sauter pour faire exploser les ballons.
Tout simple et efficace. C'est comme dans les jeux Bash, on peut frapper et sauter évidemment. Collecter les bonus qui se trouvent dans les caisses spéciales. Les bonus qui peuvent contenir avec les planibots, tu peux te déplacer dans toutes les directions. Ah ben évidemment. Attire les ballons vers toi. L'aspirateur permet d'aspirer tous les ballons de même couleur. Mais attention que si je me fais toucher par un adversaire, il ne sera plus actif. Faites exploser les ballons noirs et tu pourrais soit éclater les ballons des autres, soit changer de direction de l'anneau, soit donner ta couleur à tous les ballons. Ok, c'est parti. Aïe! J'ai les bottes plates. J'ai les bottes volantes. Aïe! Et quand les ballons sont devenus de mes couleurs, et ben, ils ont un temps limite. Brio va se faire avoir, je le sens. Ah ben voilà, il s'est fait avoir lui-même. Il faut toucher les autres. Aïe. Aouh. J'ai pris l'un des miens, mais j'ai pris celui de Riaou. Allez, non. C'est Brio qui va gagner. Dommage. C'est reparti. Non, Brio, non. Ah ben merci Riaou. Aouh. Moi qui l'ai. Oh, Brio! C'est à moi! Où sont les caisses? Y avoir égalité avec Brio, mais bon. Oh, mais. Non, j'ai pris un des ballons de Kong. Loupé! Oh, zut, hein.
C'est à moi, Riaou. Mais bon sang! Je peux prendre toutes. Même les ballons noirs peuvent être attirés. Ok. Quel record! Regardez-moi ça! 44. 2 sur 3. J'ai déjà 16 minutes, j'ai le temps de faire 2 ou 3 niveaux. Si je le fais assez rapidement. Voilà. Oh là là. À moi. Mais non! Oh. Oh non, 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 non! Ah! C'est à moi. Oh là là. À moi. Oh. Ouais. Super. Et un trophée de plus. Je reviendrai sur Ding Ring dans une autre vidéo. Je vais passer au niveau suivant, à Toxic Dash, l'un de mes niveaux favoris. Et attention au moment drôle, hein. Vous allez en avoir plein les yeux. C'est parti pour Toxic Dash. Ouh. Bon, c'est parti. C'est comme dans le Dub Dash, il faut aller jusqu'au bout. Les Wampa, comme d'habitude, collectent les champs de force, ce qui permet de repousser l'ennemi. Et attention, baril. Aouh ! Ça commence bien ! Aouh ! Brio ! Boing. Brio. Non. Rion. Boing. Et oh non. Je me suis trompé. Oh, Kong! Bang! Non, oh, je suis repoussé! Ah. Dégoûtant. J'avais oublié de mentionner que le monstre toxique peut invoquer des petites sbires qui peuvent vous faire un coup.
Non mais qu'est-ce que tu fous, Kong? Oh punaise. 3, 2, ok. C'est reparti. Oh là 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 là. C'est à chaque fois le même. Oh, il m'a repoussé, Kong. Oh. Ouch. Oh, Brio, tu m'as repoussé. Non, 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 non. Oh. Arrgh. Désolé. Et repousser. Kong. Oh punaise. Au. Non. Oh, Brio est devant. Oh, Brio est devant. Oh, merci, Kong. Merci, merci, merci. Trop tard. Brio gagne. Bien joué, Brio. Bravo. 3, 2, 1. Parfait. Boing. Ow. Repousser. Du balai, Brio. Bang. Allez. Juste un instant. Ok. C'est parfait. Non, Ryao. Du balai, Kong. Non. Wow. Bien fait, Brio. Je suis loin devant. Je suis loin devant. Non. Ah ben, punaise, il était déjà devant. Brio était tout proche de la ligne d'arrivée qu'il a réussi. Mais bon, on reprend. 2, 1, oh là là, c'est à chaque fois le même. Eh hey, mais qu'est-ce que tu fous? Oh. Merci. Oula. Voilà. Oh. Brio, où est-ce que tu vas? Non. Oh là 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 là. Oh là là. Non, je suis trompé de direction. Mais non. Ah, quand même. Génial. Bang. Ah, génial.
Je voyais pas mon personnage, je suis désolé. Allez, allez, allez! Mais non! Décidément. Je vous avais bien dit qu'il y a des moments drôles. 3, 2, 1. Allez! Arc! Bang! Oh! No! Excusez-moi un instant. Ok, c'est bon. J'avais un message, mais c'est bon. Bang! Ah ben bravo, Brio, bravo. Bravo, bravo. Non! Non, j'ai... Ah ben voilà. 2 sur 3. 3, 2, 1, non, 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 non! Oh! Non, Kong! Allez! Oh. Ah. Shut up! Ah! Allez, 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 allez. Oh là 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 là! Non, non, Brio, non! Riaou! Et ben voilà. Super. Maintenant que j'ai le trophée de Toxic Dash, je vais passer à l'étape suivante. Il s'agit bien évidemment de faire la gemme et le cristal, ainsi que la relique. Je vais vous montrer l'exemple, comme ça, ça vous fera plaisir. Pour la relique, c'est un tout autre jeu. Mais je vous montrerai plus tard, si je remporte plus facilement la gemme et le cristal. Dans le temps imparti comme d'habitude. Les trois. Brio, Kong et Riaou ont 8 points, pardon. Et moi 10. Il faut que j'atteigne l'arrivée avant eux. Non! Oh non! Kong! Ah! Franchement, vous avez vraiment... Vous êtes maladroit.
Non, Brio. Wang. Non. Décidément, c'est vraiment une pagaille. Faut que je sois devant. Bang. Terminé. Dommage. Bang. Non. Non, 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 je voulais pas revenir en arrière. Non. Non. Il peut me repousser même si je suis en l'air. Oh là là. Allez. Wow. Non. Boing. Désolé, Kong. Boing. Désolé, Brio. Non. Ah ben merci. Dommage, je recommence. Oh punaise. Tout en fitness pour les deux premiers, mais c'est pas grave. Non, je voulais pas revenir en arrière. Allez, on se concentre. Tout en finesse, doucement, doucement, et voilà. Tu gagnes. Pas de problème. Bonne chose de faite pour Crash. Il ne reste plus que le cristaux et la relique. Autant je vais m'arrêter dans les 30 et 40 minutes. Je vais faire au-delà pour montrer la relique. L'exemple, évidemment. Pour le cristaux, c'est un tout autre niveau. Défi cristaux. Évite les cambouis dans tes moteurs. Ce qui signifie que si on tombe dans la mare toxique, et ben on va avoir une légère de difficulté, une handicap d'accélération. Il faudra éviter de se faire tomber. Kong. Repousser. Loupé, Brio, loupé. Doucement, doucement, doucement. Ah.
Voilà la difficulté que je voulais dire. Oh! Je suis très loin devant. Je suis très loin devant. Oh! Oh! J'ai gagné. Et je finis la course comme ça. D'un coup, c'est parfait. Dans la plus grosse partie, en majorité, j'ai réussi. Maintenant que j'ai fait le cristaux, je vais vous montrer l'exemple ce que c'est avec la relique. Dans le défi relique, il suffit de que je enfin, je vais vous montrer, vous allez découvrir. Défi des reliques. Bat les champions de l'arène 2 tours d'affilée. Les 2 tours d'affilée, ça signifie que je dois battre je dois gagner 2 fois, sinon si je perds dans l'une des deux, je vais devoir recommencer à 0. Et là, on a les 2 personnages, Kong et Ryaou, et on a Dingodil avec nous, qui va remplacer Brio. C'est parti. Aou. Ah ben bravo, Dingodil. Dans la mare toxique. Wow. Doucement. Bang. Non. Ow. J'ai failli tomber. Et hop là, Dagodil. Non. Non, Kong. Non, Ryaou. Non, Ryaou. Non, Ryaou. Non. Perdu. On recommence. 3, 2, 1, parfait. Oh, d'un coup deal. Oh là là. Mais non. Loupé. Non. Ah ben bravo, Kong, bien joué. Allez. Du balai. Non, 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 non. Allez, avance. Non, Dagodil. On est poussé égalité. Du balai. Je dois passer devant. Oh. On recommence. Dagodin a gagné. 3, 2, 1, parfait. Non! Oh là là.
Non mais je voulais pas revenir en arrière, allez. Quoi, rien au rien au. Oh punaise. J'étais presque à rattraper Riaou. Mais tant pis. On recommence. Non. 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 Oh, allez. Bang. Bah décidément, quel ricochet. Oh punaise. Décidément Dagodil. Repoussé. Bang. Désolé Kong. Non. Dommage. On recommence. Non. Non, Riaou, tu m'as empêché. Du balai. Non mais non mais non mais non mais non mais non mais non. Je suis revenu en arrière sans faire exprès. Non. Oh là là. Superbe ricochet, Kong. Allez, faut que je passe, faut que je passe. Voilà. Tu gagnes. Et de 1. Plus qu'un, évidemment. 3, 2, 1. C'est parti. Il ne faut pas que je perde, sinon je vais recommencer à zéro. J'ai déjà 44 minutes, je vais me dépêcher. Oh. Non. Ouf, j'ai failli tomber. C'était juste. Mince, j'aurais dû pas tirer, mais c'est pas grave. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Allez, allez, allez! Je suis devant. Dagodil est devant aussi. Mais je suis devant. Repousser. Et voilà.
C'est là que je reçois le premier relique or. Et maintenant que j'ai la relique or, je ne vais plus refaire ce niveau car j'ai fait tout, évidemment. Maintenant que j'ai terminé la partie, je vais devoir sauvegarder et arrêter la vidéo. Et je vous dis d'avance, et que c'est cadeau pour les moments drôles. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming et Crash Bandicoot continue à suivre dans la prochaine partie.